imaginer qu'on allait avoir des espèces d'applications de chat complètement déconnectées. Non, là on est local, on est dans le partage. On revient à des choses simples. Oui. L'idée d'un petit message, c'est vraiment de revenir à un peu un esprit village qu'on a un peu perdu. C'est de créer du lien, de l'entraide, des partages à l'échelle ultra-locale, l'échelle d'un quartier. C'est de remettre tous les acteurs en dialogue, de rassembler tous les acteurs du quartier en un seul et même endroit. Nous, on parle d'agrégation de ces acteurs, mais c'est un gros mot. On va plutôt parler de les rassembler. Concrètement, si je suis un habitant, je vais pouvoir partager des objets, des services avec mes voisins, m'organiser avec eux pour covoiturer et aller pour me rendre au travail, mutualiser mes achats en lançant un achat groupé avec mes voisins, que j'aurais peut-être négocié chez le commerçant du quartier. Si je suis une collectivité, eh bien, je vais pouvoir recevoir les remontées de mes administrés directement et après sur la chaussée, tout un tas de choses, et rentrer aussi en dialogue avec mes habitants. Si je suis une association, je vais pouvoir me faire connaître et dialoguer avec les habitants du quartier. Et puis si je suis un commerçant, parce qu'on y vient, ils sont là aussi, ils font partie du quartier, ils en sont même assez moteurs, je vais pouvoir rentrer dans cette vie de quartier, redonner un peu de sens et booster mon business au travers d'une une sorte de vitrine numérique, mais c'est surtout, il n'est pas là le sujet chez nous, il est plus de recréer du dialogue avec les habitants, le quartier, et du coup des clients qui sont quand même privilégiés pour le commerçant. Mais voilà. Je vous écoute, putain, je vois vos paroles, c'est bon, on peut applaudir.